Hey, salut tout le monde, c'est Soussou, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4, une vidéo qui sera une petite astuce vous permettant d'avoir un Sim ou des Sims hein, avec une grosse tête. Vous allez voir que ça va être franchement très très amusant. Pour commencer, dans la description de la vidéo, vous aurez un fichier point rare que vous allez devoir extraire avec Winera. Hein. Une fois le fichier extrait, vous verrez que vous aurez un nouveau fichier point package. Une fois ceci fait, maintenant, vous irez dans vos documents, puis ensuite dans le dossier pardon Electronic Arts, puis ensuite dans le dossier les Sims 4. Hein. C'est un petit peu logique, vous n'irez pas dans Battlefield 4 par exemple. Ensuite, une fois dedans, vous irez dans le dossier Moz. Et maintenant, vous allez devoir copier le fichier que vous avez extrait, le coller dans le dossier Moz. Une fois ceci fait, et bien vous avez déjà tout terminé. Maintenant, je vais un petit peu lancer les Sims 4 pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve maintenant sur les Sims 4. Donc on va tranquillement attendre la fin du chargement pour commencer quand vous allez jouer. Et même vous verrez ce message. En fait, ce message vous dit que ça vous risque d'épérer, c'est-à-dire en gros que même s'il y a un problème, ceci peut abîmer le jeu, etc. Je vous rassure, ce mod ne peut rien faire du tout, mis à part vous faire rigoler un petit peu plus. Donc sinon, pour commencer, quand vous allez jouer, et bien vous serez obligé de créer un Sim, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, hein, et bien quand vous jouez au Sims 4, quand vous avez créé justement un Sim, vous ne pouvez plus le modifier. Mis à part si vous utilisez un code de triche, et je pense que ça marchera. Mais sinon, moi je vous conseille de créer un Sim, comme ça voilà, vous aurez un petit peu un nouveau Sim avec une grosse tête, ce sera plutôt amusant. Donc moi je vais tranquillement enlever son chapeau. Donc voilà, maintenant vous voyez bien, franchement je trouve vraiment ça super amusant de voir ça, un Sim voilà, tout maigre et tout, avec une grosse tête ou une petite tête hein, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Et bien on peut aussi avoir justement un Sim avec une petite tête hein, si vous le voulez bien évidemment. En gros, ceci, ce mod permet justement de contrer le patch, si je peux dire ça comme ça, ou la protection qui vous empêche normalement de modifier la tête. Mais en fait la tête on peut la modifier, mais vraiment un tout petit peu, mais vraiment petit peu. Et là en fait ce mod permet justement de la modifier comme on veut, c'est à dire en gros que voilà, vous pouvez aussi bien avoir une tête moyenne qu'une tête très grosse qu'une toute petite tête, c'est vraiment à vous de choisir. Donc voilà, maintenant on va tranquillement lancer le jeu et vous verrez un petit peu dans le jeu maintenant que le mod marche réellement. Donc, comme vous le voyez bien en bas à gauche, et bien mon Sim avait vraiment une très très grosse tête, ce qui est plutôt amusant. Donc aussi ceci marche bien évidemment avec tous les Sims, c'est à dire en gros que même si le Sim est un jeune, un bébé, enfin pas un bébé, je crois qu'on peut pas vraiment créer de Sim quand les bébés, mais même si c'est un adolescent, oui, et bien vous pouvez aussi bien évidemment lui mettre une très très grosse tête ou une toute petite tête. Donc on va tranquillement aller là-bas et je vais vous montrer maintenant vraiment devant vous que ceci marche réellement et que mon Sim a vraiment une très grosse tête. Donc comme vous le voyez bien, les cheveux qui tourne vraiment sur le côté, c'est vraiment super amusant de voir ça. Donc voilà, vous le voyez bien maintenant, mon Sim a vraiment une très très grosse tête. On va faire un petit zoom pour s'amuser un petit peu, pour vous montrer que c'est vraiment un énorme troll ce truc. Donc voilà, j'espère vraiment que les amis, cette vidéo en ma compagnie vous aura plu. Coucou. J'espère vraiment que cette vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pourquoi pas un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Et bien évidemment, si vous abonnez à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.